vas le regretter. Oh, il me faut un nouveau visage. Hein? Mais c'est quoi ce tour de magie? Hé, hey, beauté! Cette chambre est hantée ou quoi? Oh! Ma vieille Barbie! Alors tu es celle qui essaye de me donner de l'inspiration? Je sais quoi faire! C'est parti! C'est la partie que j'aime le moins. J'ai toujours l'impression de m'arracher les yeux ou quelque chose comme ça. Je vais d'abord enlever mon maquillage. Ça pourrait prendre du temps. Je dois partir d'une toile blanche pour la maquilleuse qui sommeille en moi. Première étape franchie. Oh! Ça me fiche la trouille en réalité. Ah bon, je suis habituée aux choses qui font peur. Je n'aurai plus besoin de ça. Le punk est mort. Faut passer à autre chose. Je vais devoir faire quelque chose pour mon rouge à lèvres de sorcière. Quoi? Oh, ça fonctionne pas. Tu es fort, mais je suis plus forte. Je sais quoi faire. Papa ne dira rien. Une, deux, trois. Prête. Au revoir, la rubis gothique. Je vais juste trouver mon nouveau rouge à lèvres perso. Et ensuite, commençons par le fard à paupières. Ma bonne, vieille et fidèle palette arc-en-ciel. Ça me rappelle Lolita malgré moi. Les mercredis, on porte du rose. Quel film et quelle citation ironique, n'est-ce pas? Les couleurs vibrantes des années 80 sont de retour, bébé. avoir le style du Joker n'était pas ce que je voulais. Hein? Du collier? Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ça va m'aider. Laisse-moi nettoyer ce bazar d'abord. Tu es à moi maintenant. Je dois juste mélanger quelques gouttes avec mon fard à paupières. C'est le pinceau parfait pour cette tâche. Grâce à cette astuce, je peux appliquer mon fard à paupières avec plus de précision. Parce qu'il est plus crémeux maintenant. Oh! Wow! C'est beaucoup mieux en effet. Qu'est-ce que je devrais faire ensuite? Maîtresse, montre-moi. Oh! Oh non! Que quelqu'un appuie sur pause, s'il vous plaît! Non! Je suis traumatisée! Attends une seconde. Reste là, petite palette. Je sais comment te sauver. Viens ici. Je devais me débarrasser de ce surplus d'abord. Raclons ce qu'il reste avec cette cuillère. Et mets-le dans les trous du pop-it. Appuie en douceur ensuite et... voilà! Ma nouvelle palette est prête. Tu dois l'admettre, c'est la palette la plus cool du monde. Ça va élever mon maquillage à un tout autre niveau. Waouh, trop beau! Aussi brillant qu'une boule disco. Je suis tellement chanceuse de t'avoir comme mentor, Barbie. C'est l'heure de l'eyeliner. Ça va grandement me faciliter la tâche. Swish and flick. Waouh! Mon maquillage est toujours au point. Attends une minute. J'ai presque été dupée. C'est inutile. J'ai quelque chose de mieux en tête. Les épingles à cheveux sont multifonctions, tu sais. Il faut juste appliquer l'eyeliner jusqu'au bout. Crois-moi, ça va être encore plus pratique que d'utiliser une brosse. On va essayer et regarder, ok? Je vais opter pour le regard yeux de chat. Maintenant l'autre œil. Waouh, excellent! Mais je ne peux pas passer l'audition pour le rôle de Catwoman pour le spectacle de l'école sur Batman. Des tatouages pour sourcils devraient faire l'affaire. Une éponge à maquillage humide sera parfaite pour cette tâche. Je dois bien m'assurer de l'humidifier comme il faut. Une, deux, trois, retirons ça. J'ai hâte de voir mes sourcils parfaits. Non, 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 non. Oups. J'imagine que ça donne mieux sur ma main que sur mon visage. Je suis Jack Sparrow. Laisse tomber. Faisons comme d'habitude. Je vais me coller des sourcils. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis têtue.
Je pense que ça va m'aider. Je suis une super bricoleuse, après tout. Qui pouvait s'en douter? Ça a l'air vraiment collant, mais il faut souffrir pour être belle, non? Je vais peigner tous les poils en haut dans la même direction avec une brosse à sourcils. Parfait, sourcils touffus, terminé. Hé! Hey! C'est quoi la suite, Barbie? Les lèvres, tu dis? Ouais! Alors il me faut ça. Créons donc des lèvres pulpeuses et irrésistibles. 'Cause we are living in a material world and I am a material girl. Juste pour que tu saches, ça n'a pas du tout fait mal. Oh! Mais j'ai toujours besoin de couleurs brillantes. Ils font des tatouages pour tout aujourd'hui. Lequel? Ça! Terminé! Ah, voyons voir à quoi je ressemble. Quoi? Ah, je suis sûre que Marilyn Monroe avait une meilleure méthode. Ah, c'est ce qu'il me faut. Je n'aurai pas besoin de la paille. Au revoir. Et voilà, des lèvres sexy et roses. Je vais l'appliquer sur la surface de la bouteille. Ça devrait le faire. Non, je ne boirai pas la boisson tout de suite. Mais d'abord, je vais m'hydrater. Wow! J'ai besoin des mêmes cœurs. Mon maquillage ne sera pas complet sans eux. Je suis tellement chanceuse! Mes voeux sont exaucés! Ça se marie parfaitement au reste de mon visage. Et ça l'embellit totalement! Mon maquillage est enfin terminé! Mais j'ai toujours pas mal de choses à faire, comme arranger mes cheveux! Un peu de couleur n'a jamais tué personne. Je ne me lasserai jamais du rose. Alors trouvons la coloration rose afin de créer des cheveux en barbe à papa. Qu'est-ce qu'on a? Orange comme Garfield? Non. Vert comme Shrek? Non. Oh, c'est vide? Attends une minute. Je dois juste jeter ça dans un bol d'eau chaude et mélanger et mélanger. Waouh! La couleur parfaite! Maintenant, je dois tremper le bout de mes cheveux dedans. Trop cool! Ça va m'hypnotiser. 1, 2, 3. Voyons voir à quoi ça ressemble. Waouh! Superbe! Maintenant, faisons la même chose avec tous mes cheveux. Waouh! C'est trop beau! Je deviens bonne à ça. Mais attends, il manque quelque chose. Hé! Hey, je mérite des bijoux pour cheveux aussi. Je pense savoir quoi faire. Les diamants sont les meilleurs amis des femmes. Plaçons mon modèle ici. J'ai exactement ce qu'il me faut pour me donner un peu de bling-bling. Ce gadget vaut vraiment son prix. Mettons l'ensemble de faux diamants ici. Le reste est super simple. Prête à briller comme un diamant. Et on tamponne, on tamponne. Encore. Encore, j'en veux encore. Ce serait mes cheveux rouges si j'étais actrice. Waouh! S'aimer est important. Hein? Quoi? Oh, regarde mes ongles! Dégoûtant! Je dois faire quelque chose. Je vais encore choisir le rose. Pas de suspense ici. Je vais couvrir la surface de ma table avec du papier essuie-tout d'abord. Je ne veux pas rendre ma mère triste. C'est l'heure du spray! Ça devrait être suffisant. Oh, peut-être plus que suffisant. C'est trop, je crois. Je vais devoir nettoyer le surplus. Pas besoin de savon ou de dissolvant pour vernis. De l'eau suffira. Frotte, frotte. Ça se retire facilement. Mais on dirait que ça va prendre du temps. Maman dit toujours de se laver les mains pendant au moins 20 secondes dans tous les cas. Mais j'ai besoin d'une autre solution car tout est parti maintenant. Ah ah! Les gants de nettoyage de maman. C'est exactement ce qu'il me faut.
C'est une bonne chose que leurs doigts soient déjà coupés. Grâce à ça, j'ai une chose de moins à faire. Maintenant, je dois couvrir le reste de mes doigts avec du ruban adhésif. Sauf les ongles, évidemment. À présent, je peux asperger mon vernis à ongles. C'est du pur freestyle, bébé! Si tu connais bien l'astuce, créer des ongles en bubblegum est vraiment facile. Terminé! Waouh! Le rose apporte vraiment de la joie. Maintenant, je dois attendre qu'il sèche. Hein? Berk! Je dois arranger ça. Établissons un diagnostic. Frotte, frotte, frotte. 3, 2, 1. Hein? Attends une minute. Qu'est-ce que... Ça ne fonctionne pas. Toujours aussi poilu qu'un mammouth. La solution sans douleur. Je dois juste répartir un peu de mousse. Oh, j'ai dit un peu. Oups, je voulais dire beaucoup. On dirait la barbe du Père Noël. Maintenant, rasons tout ça. Abracadabra, les poils ont disparu. Je sais y faire. Waouh, vraiment rapide et facile. Parfait. Dis-moi, Barbie, c'est quoi la suite? Les vêtements, bien sûr. Maintenant, reste ici et regarde-moi conclure ma transformation. Magnifique en rose. Dis bonjour à la nouvelle moi. Waouh, j'arrive même pas à me reconnaître. Allez Barbie, faisons la fête. Merci ma vieille Barbie. J'aurais pas pu y arriver sans toi. La lumière du selfie est mon épée de Jedi. Hey le monde, je te présente la Ruby toute neuve et améliorée. Ils ne sauront pas ce qui les a frappés. Quelle est la 35e décimale de pi? Oh, mon Tom Holland à moi! Il le sait sans doute. Il ne m'aimera jamais comme ça. On éclate ça sur la piste de danse. Je dois l'avouer, c'est un peu le côté dégoûtant de la chose. Personne ne remarquera de toute façon. Salut! Oh, viens ici, toi. Emmène-moi sur le chemin de la vieille ville, petit cheval. Oh non! Regardez-la! Jolie idée! Je ne serai jamais populaire dans ce lycée! Là pour des cours d'aérobic sur TikTok? Oui, je suis tellement originale. Littéralement, personne n'a jamais fait ça. C'est pas juste! Regarde-toi! C'est pas le moment pour des TikTok, Roxy! Mon monde s'est effondré! Oh, Luna, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis trop moche! J'ai des boutons! Abrite-toi, s'il te plaît! Luna, oh, j'ai quelque chose pour toi! Laisse-moi prendre la boîte magique! Bon, regarde maintenant. Voyons voir ce qu'on a ici. Oh! Ça te rappelle quelque chose? Oh, c'est exactement comme mon visage! Encore un à exploser, comme c'est excitant! Mais n'éclate pas les tiens! Ces cache-boutons sont exactement ce qu'il te faut pour te purifier le visage tout de suite. Mets ça sur les zones à problème. Je m'occupe de ton nez, sœurette. On a bientôt fini. Génial! 1, 2, 3! Le temps est écoulé. Retirons ces vilains petits coquins. La cible a été anéantie, tu vois? Quoi? Ça fonctionne! Faisons ça et ça. Ça se passe bien, non? Waouh! J'y crois pas! Tu vois? Ça me fait littéralement sourire! Oh! On doit faire quelque chose pour ces dents! Voici une solution permanente. Ou pas. Et ça? Ça ne vaut pas le coup. Je crois qu'on a un gagnant. Ce gadget est exactement ce qu'il te faut pour un sourire parfait. Bon, le petit avion arrive. Je vais atterrir. Où va-t-il atterrir? Je vois un superbe endroit. Ça a un drôle de goût. Et pourquoi il y a ce son étrange? Et pourquoi il y a une lueur bleue? Je ne comprends pas. C'est prêt? Oups, désolée pour la pagaille. Elles ont l'air géniales, merci. Oh, tu as des poils? Où? Oh, je sais.
Tu as de la chance, Charlie Chaplin. Oui, ça fera l'affaire. Reste calme maintenant, c'est super important. Est-ce que je peux? Ouch, ça fait un peu mal. Bon, j'ai survécu. J'ai fini? Oh non! Ça fonctionne pas! Essayons quelque chose de différent. Regarde ces petits bras. Ils arrivent pour t'attraper. Ça fonctionne vraiment, tu vois? Ils tombent. Laisse-moi essayer. Clona, qu'est-ce que tu as fait? Oh, je vais arranger ça. Ah, terminé. On dirait que c'est réel. Oh non, c'est la forêt amazonienne là. Oh, sourette, tu dois faire quelque chose. T'en fais pas, c'est la solution à nos problèmes. Allume-le à fond. Maintenant, plaçons les bonbons mauves ici. Super, à présent, regardons-les disparaître comme mes rêves de rencarder Harry Styles. Je pense qu'on est presque prête pour l'action. Oui, ça fera l'affaire. Colle ça ici. Et ça aussi. Maintenant, tire-les. T'en faut y aller. Ouch. Laisse-moi essayer. Je vais canaliser toute ma puissance. Attends, s'il te plaît, faisons-le ensemble. D'accord. Une, deux, trois. C'est tellement beau. On pourrait tricoter un pull avec ça. C'est un peu dégueu. Voyons voir tes oreilles. Mon déjeuner va sortir. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, ça va t'aider. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Je vais essayer ça, d'accord? J'ai un peu peur. Pivote-le maintenant. Oui, tu fais un excellent travail. Oh, ça a marché! Hé, hey, Roxy, tu veux voir tout l'or que j'ai récolté? Luna! Oh. Bon, occupons-nous de tes cheveux. Retire ça, tu n'en as pas besoin. Oui, comme ça. Terminé. Oh! Chewbacca! Je veux voir! Pourquoi cette marionnette me regarde comme ça? Oh, ça va sauver la situation. Je ne vais pas utiliser ça sur mes dents, relax. Souhaite-moi bonne chance. Je suis presque en train de perdre ma brosse. Oh, ça ne fonctionne pas. T'en fais pas, je vais arranger ça. C'est comme un massage, tellement relaxant. On devrait être prête à y aller. Waouh, c'est génial. Ouais, tu rayonnes. Regarde-moi, j'ai une moustache rose. Oh, mettons un peu de couleur. Très bien, qu'est-ce que tu as? J'ai... ça. Super. Waouh, je ressemble à Harley Quinn ou quoi? Waouh, merci. Génial. Qu'est-ce qu'il reste dans ta boîte? Quoi? Je comprends pas, à quoi sert ce truc? Luna, laisse-moi te montrer. C'est pour agencer tes sourcils à la perfection. Laisse-moi juste te montrer mes talents artistiques. Ne bouge pas ou tu vas tout gâcher. Terminé. Waouh, quels sourcils magnifiques! Il manque quelque chose. T'es prête pour un relooking de lèvres? Alors? Mouah! Attrape ça. Kyle ne me trouve pas intéressante. Je pense que j'ai trouvé Nemo. Je suis Nemo. Oh, le temps est écoulé. Regarde tes lèvres. Ton crush ne va jamais pouvoir résister. Et la touche finale. Boum. Mouah. Mouah. Et j'aime ça. C'est trop mignon. Ouais. Je peux essayer autre chose? Bon, je pense que je sais ce que je fais. Une bande ici. Et une forme en U ici. Hé, hey, Roxy! Le jour de la Saint-Valentin est arrivé en avance. Oh, merci, tu es trop mignonne. Toi aussi, trésor. Je n'ai pas fini ici. Regarde ça. Hein? Qu'est-ce que tu en dis? J'ai vu mieux, chérie.
Essayons autre chose. Aha! Ça va marcher à merveille, crois-moi. J'ai hâte de voir ça. C'est fait. Tout est parfait. Oh, parfait! Laisse-moi regarder maintenant. Je vois en 3D, t'inquiète pas. Oh, wow! Luna? Quoi? Hé, hey, regarde! Regarde, c'est une moustache. Je suis ton père, Roxy. Oh, Luna, t'es trop marrante. Oh, waouh. J'ai une meilleure idée. Ces cils magnétiques sont tout ce dont tu as besoin en ce moment. Laisse-moi juste retirer ça. Vraiment magnétique? Ces éléments s'attirent. Tout comme tu vas attirer ce gars. Oh, waouh, ça fait carrément du vent. Ah, vite, je dois faire quelque chose. Ah, tu vas résister à la tempête avec ça. Et voilà. Oh, merci. C'était pas prévu pour la météo. Ouh, maintenant, debout. Et choisissons ta tenue. Qu'est-ce que tu as? J'ai ça. Boum. Qu'est-ce qui se passe? Non. Ah, j'aime pas ça, désolée. Laisse-moi voir maintenant. Waouh! J'adore! Oh, tu as l'air superbe. Prenons un selfie. Les mains en l'air. Oh, mais c'est quoi ça? Ils sont vivants? Quoi? On doit faire quelque chose rapidement. Je dois avoir quelque chose. Oh, c'est l'heure d'une petite session de jardinage. Viens ici, petit buisson. Buisson? Comme la commune en France? Non! Terminé. S'il te plaît, non, je t'en prie. Hein? Oh, tout est parti? Waouh! Trop cool! Quoi? J'ai conçu un nouveau pull avec tes cheveux. Il donne vraiment bien chaud en tout cas. Burke, ça pourrait sentir un peu meilleur. Je veux un piercing aussi. Luna, tu es trop jeune pour ça. Mais... regarde ça. Waouh! Regarde, ils s'embrassent. Venons-en à l'essentiel. Essayons-les. C'est comme un écran de création de personnages. J'adore. T'es prête? Étape suivante. Un tatouage. Laisse-moi regarder, laisse-moi regarder. Il faut enlever ça, ok? Ils ont tous les deux l'air cool. Waouh, joli tatouage. Tu es ma sœur de tatouage. Boum. C'est quoi ça? C'est tellement moelleux. Je veux que le mien le soit aussi. Hein? J'ai quelque chose pour toi. Ah. Regarde ça. Ouch! Qu'est-ce qui m'a frappé? Waouh, c'est tellement moelleux. Regarde-moi faire. Mes hanches ne mentent pas et moi non plus. Oh, t'es tellement populaire maintenant. Oh, je suis populaire maintenant. Oui, et j'ai un cadeau pour toi. Oh! Génial! Merci, Sorette! Maintenant, tu vas être super populaire au lycée! Oui, je vais y aller! Au revoir! Tu auras besoin d'une Minerve pour toutes les têtes que tu vas faire tourner. Tu n'es pas prête! Regarde ce gars! Tu ne me mérites pas! Ah! Bonté divine! Est-ce que c'est... wow! D'accord, laisse-moi juste... C'est un canular. On doit faire quelque chose. Oh oui, je l'ai trouvé. Regarde ça, Chloé. Oh waouh, c'est quoi? Waouh, c'est trop drôle. C'est un super anti-stress. Ouais, du moment que t'es heureuse, chérie. Voyons voir ce que j'ai contre ton acné. Les voilà, des cache-boutons. Essayons-les. T'en fais pas, Sorette. On va ranger ça en une minute. Juste comme ça. Oh, ça me fait des chatouilles.
Les derniers. Oh. Et terminé. Maintenant, on doit juste attendre. T'en fais pas, Sœurette. Tes boutons vont disparaître en un rien de temps. Tu vois? Ça a littéralement pris moins d'une minute. Ah. Retirons-les. Ça fonctionne à merveille. Waouh! Je veux retirer le reste. Oh, c'est trop drôle! Mon visage se sent beaucoup mieux. Regarde-toi! Waouh! Mon visage est tellement propre! Génial, non? Je suis trop heureuse! Oh, attends une minute! Je vais essayer de trouver une manière d'arranger ça! Arranger quoi? Oh, rien du tout! Oh! Il est là! Essayons-le! Je ne l'ai pas encore utilisé! D'abord, il faut appliquer du dentifrice! Et maintenant... Regarde, Chloé! Un avion vole! Ouais! Directement dans ta bouche! Génial! Et on l'a mis. Ruby, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens tellement mieux pour une raison inconnue. Ah. Oh, magnifique. Oh. Tu es trop belle. Maintenant, laisse-moi essayer quelque chose d'autre. Des cheveux bizarres. Oh. Allez, où est-ce que... Enfin. Ruby, aide-moi, s'il te plaît. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que t'as fait? Je vais t'aider, Chloé. Oh, Ruby, regarde ça. Tu lui ressembles. Regardez, apprends, d'accord? Utilise ça. Waouh, mes lèvres ont l'air flottes. Et maintenant, moi. Ça va marcher? Bien sûr que oui. Maintenant, regarde ça. Waouh, nos lèvres ont l'air tellement mieux maintenant. Waouh, je ressemble à un mannequin. On est trop canon. Hein? C'est quoi ça? Mes lèvres ne sont-elles pas géniales? Hein? Quelque chose cloche. Oh, on doit faire quelque chose. Voyons voir si la boîte de beauté nous propose une solution. Prenons ça. Ouais, c'est exactement ce qu'il nous faut. Maintenant... Donne-moi ton dame. Hein? Hé, c'est pas aussi douloureux que ce que je pensais. Tu as eu peur, Sœurette? Mais tout va bien. Occupons-nous de tes sourcils. Et voilà. Waouh, ça fonctionne. Oui, c'est tout. C'est simple, non? Donne-moi ça. C'est trop cool. Maintenant, et si je... Ouch, ça fait mal. Oh non, comment c'est arrivé? Chloé, calme-toi. Je vais arranger ça. Tiens bon, je sais que ça se trouve quelque part. Le voilà, c'est parfait. T'en fais pas, Chloé. On va te faire de superbes sourcils en un rien de temps. Ne stresse pas. Ok, quelqu'un m'appelle. Oh, salut Ruby. Salut. Comment ça va? Je vais très bien, et toi? Oh. Ouais. Et elle a dit quoi? Mais c'est impossible. Hein? Peu importe, je dois y aller. Ok, à plus tard. Ouais, on se voit plus tard. Oh, merci beaucoup pour ton aide, Sœurette. Mes sourcils sont bien maintenant. T'en fais pas, je vais arranger ça. Waouh. Mais on doit faire quelque chose pour tes cheveux, hein. Voyons voir. D'abord, on va retirer ça. Mes cheveux! Chloé, pas de panique, je vais essayer d'arranger ça. Très bien. Étire, étire. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui va pas? Waouh! Pourquoi tu portais une perruque? Je sais pas, mes lunettes sont fausses aussi. Ok, disons que c'est ok. D'accord. Tout ce qui reste à faire est d'ajouter des strass. J'adore vraiment ce truc. Regarde comment ça fonctionne. D'abord, prenons des strass. Maintenant, on le ferme. Maintenant, regarde ça. Waouh, c'est trop cool. J'aime voir à quel point il scintille. Totalement. Et les derniers? Oh, waouh. Je ressemble à un diamant. Oh, waouh. Je veux voir ce que tu as d'autre dans cette boîte magique. Comme ça. Oh, c'est quoi ça? Oh, ça a l'air trop bien. Non! Attends, Chloé.
tu aimes? Mais tu fais vraiment tout de travers. Là, laisse-moi te montrer comment on fait. Oh. D'abord, tu dois coller les sourcils sur tes paupières. Oups. Tes souhaits. Stupide sourcil, dégagé de mon visage. Peu importe, c'est ce qu'on va utiliser. Waouh. Très bien, Sorette, je suis prête. Regarde, d'abord, prends le sourcil. Maintenant, retire l'autocollant. Juste comme ça. T'es trop intelligente, Ruby. J'aimerais tellement pouvoir me maquiller comme toi. Oh, je le sens sur ma paupière. Et maintenant quoi? Et maintenant, la meilleure partie. Regarde ça. Merci, Sorette. Chloé, t'as l'air superbe. Mais on a encore une étape. Oh, laquelle? C'est quoi, ça? Oh, c'est marrant comme ça tournoie. Ruby? Ruby, tu m'entends? Sorette? Peu importe, je vais juste le faire moi-même. Waouh, c'est comme ça que ça fonctionne, non? Appliquons un peu de fond de teint sur ce truc. Waouh! Et maintenant, sur mon visage. Oh, waouh! Ça chatouille un peu, mais ça fait du bien. J'ai vu des blogueurs sur Insta appliquer beaucoup de fond de teint sur leur visage. J'espère que j'ai bien fait ça. Je... Regarde, je peux me maquiller maintenant. Oh, Chloé! Je vais arranger ça. Waouh! Je me sens plus légère au niveau de mon visage. On va passer au maquillage maintenant. D'accord, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Allons-y. Prenons une éponge. Salut! Merci l'éponge. Maintenant, le mascara. Bonjour ma chère, voyons ce qu'on peut faire. Génial, parfait. Oh waouh, je suis magnifique. Et tout ce qu'il reste à faire, c'est d'appliquer du rouge à lèvres. Oh, je vais essayer moi-même. Ça sent super bon. Allons-y. À quoi je ressemble? D'accord. Nettoyons un peu. Juste comme ça. Oui, beaucoup mieux. Alors, comment je pourrais faire? Oh, magnifique. Regarde et apprends, chérie. C'est un conseil de pro. D'abord, mets du rouge à lèvres sur le bouchon de la bouteille. Facile. Essaye. À quoi ça ressemble maintenant? Beaucoup mieux. Tu as l'air géniale, Chloé. Je sais. C'est superbe. Encore une chose. Je pense que c'était là. Mais Chloé, c'est quand la dernière fois que tu t'es rasée? Disons jamais. Oh, d'accord. Oh, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quelque chose d'amusant? Oh oui, ça va être amusant, en effet. Oh, c'est quoi ce truc? Ça a l'air trop bien. T'en fais pas, chérie. Tu vas le découvrir très vite. Collons délicatement et... Ha! Oh, terminé. Waouh, wow, ça en fait des poils. C'était le premier. Le premier? Chloé! Essayons ça. Celui-là ne devrait pas te faire mal. Allez, donne-moi ta jambe. Celui-ci va être très facile. D'abord, applique la mousse sur la peau. Simple comme bonjour, tu vois? Oui! Une, deux, trois. Prends cette raclette et retire tout. Juste comme ça. Belle et propre. Waouh! Oui! Waouh, regarde ça! Waouh, merci Sorette! Et encore une étape. Regarde et apprends. Une, deux, terminé. Ton tour maintenant. Waouh, trop cool! Un, deux, terminé. Un, deux, terminé. Terminé, fini. Ah, ça fonctionne pas. Chloé. Bon, essayons donc une autre méthode. Oh, waouh, je suis prête. Ouais. On est en retard. Allons-y.
Oh, waouh. Ouch. Oh, waouh, Chloé, tu es radieuse. Viens à ma soirée. Non. Quoi? Hé, hey, regarde ça. Tu as découvert la téléportation. On est à la plage. Ah, enfin un peu de repos. Hé, hey, les filles. Quoi, maintenant? Hein? Salut. Burk. Alors, les filles, il y a une soirée aujourd'hui. Oh, wow, cool. Mais je ne vous laisserai pas entrer sauf si vous nettoyez ce bazar, d'accord? On doit vraiment être cool pour avoir été invité. Mais comment on va faire pour se préparer? J'ai plus d'un tour dans mon sac. Tada! Sœurette, t'es une telle source d'inspiration. Je vais le faire aussi. Ouch! Je parie que tu attendais de faire ça depuis la nuit des temps. Je suis mature, alors je vais t'aider dans tous les cas. Là, regarde. Waouh, merci. La soirée va être longue, alors reposons-nous un peu. Ah, le soleil me brûle. Je ne veux pas finir par ressembler à un homard à la soirée, alors je ferai mieux de me mettre de la crème. Ah ah, ça devrait être suffisant. Je vais appliquer une couche épaisse. Je dois pas oublier le visage. Ah, c'est tellement apaisant. Maintenant, je peux flotter près du soleil comme un cosmonaute sans prendre un coup de soleil. 5 minutes plus tard. Ah, c'est ce que j'appelle un bronzage sain. Quoi? Non! Comment c'est arrivé? Oh, c'est quoi ce boucan? Oh, regarde et apprends. Je vais te montrer comment ne pas ressembler à une tomate géante. Oh, comment oses-tu? Tu vas utiliser du SPF 100. Oh ouais! Tu vas voir c'est quoi du SPF 100 maintenant, madame. 30 minutes plus tard. Tu vois, je suis une déesse du bronzage. Ouais, tu sais où ça est. Oh, mais qu'est-ce que tu as fait, espèce de steak à moitié cuit? Vilaine fille. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Ah ah, du fond de teint, ça sauve toujours la vie. Allez! Je ne peux pas m'en acheter un nouveau. Je sais qu'il en reste un peu dedans. Juste... Oh, allez, maintenant. Tu vas voir qui est la patronne, maintenant. C'est une bonne chose que je sois allée au cours de karaté l'an passé. Tu vas découvrir mon mouvement spécial, maintenant. Hi-ya! Oh-ya! Ciao! Ouais! Aucun tube ne peut m'arrêter sur le chemin vers la beauté. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Ah, mais je pensais que c'était une couverture totale. 5 heures avant la soirée. 5 heures? Oh non, je dois vite me préparer. Ma bonne vieille boîte de beauté. Voyons voir quel trésor de beauté tu contiens. Waouh, commençons par toi. Hein? Elle se prépare déjà? Il me faut ma boîte beauté aussi. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, juste ça? Du savon? Mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bon, ça peut servir à quelque chose. Bien évidemment, je vais commencer par me laver le visage. Ne me déçois pas maintenant, savon. Je vais me protéger les cheveux d'abord. Oh, hello Kitty! Viens voir maman! La la la, soirée mousse! Ah pas, hello Kitty! C'est des trucs du niveau de Catwoman. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait la lessive. On dirait bien que tu veux chaque centime que j'ai dépensé pour toi, mon précieux savon. Je suis la beauté. Je suis la grâce. Il est temps de rincer tout ça. Waouh, on dirait qu'avoir une peau parfaite est possible. Je ne te laisserai jamais t'en aller, mon amour. Ah. Oh. Quoi? Non. Je sais quoi faire. J'ai besoin de dentifrice tout de suite. Aide-moi, Obi-Wan Kenobi. Tu es mon seul espoir. J'espère que c'est suffisant. J'aurais peut-être besoin d'un autre tube. Ça ferait mieux de marcher, sinon ma vie sera détruite. Oh, ça prend une éternité. Voyons voir quelle sera ma destinée. Ah, oh, ils sont partis. Finalement, je ne vais pas être bannie vers le groupe des intellos. Je n'utiliserai plus ce masque trop nul. Parfait. 3 heures avant la soirée. Oh non! Hors de mon chemin, je dois me dépêcher. Ah ah! Ça va m'aider à obtenir les boucles de Zendaya. Je dois faire attention à ne pas brûler les cheveux, cela dit. Je vais avoir l'air chaude comme la braise pour la soirée. Mais je ne veux pas de cheveux en feu. Oh, waouh! Heureusement que j'ai regardé un tutoriel au préalable. Maintenant, bouclons tout ça. Waouh! Tu sais quoi? En fait, Zendaya n'est rien face à moi. C'est l'heure du maquillage. Va-t'en, excès de gras. Et abracadabra! Waouh! Parfait! Je suis
prête à couper le souffle de tout le monde à la soirée. Oh, Sœurette, t'aurais dû appliquer de la brume fixatrice au-dessus. Allez, on va te nettoyer en profondeur. Encore? Eh, peut-être que tu pourrais laver cette serviette aussi avec ton savon. Maintenant, apprends certaines astuces de ton maître jeune padawan. Montre, ne dis rien. Et voilà! Maintenant, on attend. Combien de temps? Jusqu'à ce que tu ne puisses plus sentir tes lèvres. Ou les sentir énormément. Pas besoin d'injection dans les lèvres pour obtenir des lèvres pulpeuses et sexy. D'ailleurs, j'ai pas encore fini avec toi. La meilleure partie arrive. C'est l'heure du rouge à lèvres. Waouh! Oh, je veux tous les essayer! Mais tu ne voudrais pas nettoyer tout ça, crois-moi. Ce tour de passe-passe va accélérer les choses. D'accord. Et celui-là, il brille et scintille tellement. Voyons voir. Non, ça va me faire ressembler à un cadavre. Pas de soucis, Choupi. J'ai plus de rouge à lèvres que tu ne pourrais l'imaginer dans tes rêves les plus fous. Et que ça pleuve. Tu n'as pas intérêt à les toucher si je ne suis pas présente, cependant. Je t'aurais prévenu. Tu veux réessayer? Peut-être ça? Non. Je pense que c'est bon cette fois-ci. Waouh! Oui, oui! Je veux porter celui-là. Ouh! Enfin, espérons que tu ne choisisses pas ton mari plus tard comme tu choisis ton rouge à lèvres. Impeccable! Ici, regarde-toi! Waouh! Je ressemble à une princesse! Alors, c'est quoi la suite? Tu auras besoin d'une paire de chaussettes pour ça. Dis-moi qu'on ne va pas cambrioler une banque! C'est quand la dernière fois que tu as lavé ce truc? Ne t'attarde pas sur les détails. Regarde et apprends, chérie. Tu vois, des ondulations parfaites. Traitement court, traitement court. D'accord, je vais faire un saut dans l'inconnu. Pourquoi ça ne fonctionne jamais pour moi? Pourquoi je dois toujours travailler dur? C'est comme si l'univers était contre moi. Peu importe, je vais faire avec, je suppose. Bon, c'est comme si j'emballais des cadeaux. Exactement. 5 minutes plus tard. Prépare-toi à t'instruire. Et qu'est-ce que tu en dis? Waouh, on dirait une rockstar. À moi. Mais il doit y avoir quelque chose qui cloche. C'est l'univers, je te dis. J'ai un appel urgent. Je dois y aller. Tu ferais mieux de prendre soin de toi, Sœurette. Tu as tout mon soutien, hein? Au revoir. Oh, elle est partie. Oh, n'ai pas besoin d'elle de toute façon. J'ai YouTube. Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je vais maquiller ma poupée aujourd'hui. Oh, waouh. C'est tellement flippant. Salut beauté, tu veux époustoufler le monde avec ton look? Alors suis mon tutoriel de maquillage et éblouis tout ton entourage. C'est trop! Je ne veux pas dominer le monde, je veux juste dominer la soirée. Salut tout le monde, vous devez aller à une soirée? Alors j'ai le maquillage parfait pour vous. C'est drôle, c'est branché et c'est coloré. Waouh! Enfin quelque chose qui me convient. C'est exactement ce que j'ai en tête. J'ai besoin de cette palette de fard à paupières. Ma sœur ne dira rien. On dirait de la poussière de fée. Bilibi, bodibi, bouh. Ça va me mettre parfaitement en valeur. Waouh, c'est hypnotisant. Encore une dernière étape et j'ai terminé. Ruby, t'es prête? Oh, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu as fait à ma sœur? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ça peut pas être aussi terrible. C'est affreux. On va prendre tellement de retard à nettoyer ton visage de clown. Même le Joker se maquille mieux que toi. Allez, allez, ça va, tout va bien, ne pleure pas. Vraiment? Je vais arranger ça. Les sœurs sont là pour ça. Oh, Sœurette, t'es la meilleure. C'est comme si j'étais Cendrillon et toi, ma bonne fée avec des pouvoirs magiques. Oh, je suis prête maintenant. On a une dernière chose à faire. Ouais, choisissons les robes les plus belles. Ne bouge pas. Je ne veux pas que tu gâches à nouveau ton maquillage. Et terminé. Waouh, Rachel, c'est génial. J'ai l'impression que je pourrais aller à une cérémonie de remise des Oscars. C'est mon tour maintenant. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Je suis prête. Waouh, on est assortis. Que la soirée commence. Je parie qu'on sera les plus belles filles de la soirée. Regardez-les. Les filles, vous êtes pas un peu trop habillées pour une soirée pyjama? Quoi? C'est une soirée pyjama? Oups. Je ne l'avais pas vu venir. Je pense qu'on ferait mieux d'y aller. Désolé alors. Désolé pour le dérangement, les amis. Et attendez une seconde. Invitons-les à rester, je veux pas être la méchante. D'accord, c'est parti. Allez, entrez. Allez, venez. Joignez-vous à nous. Allez, s'il vous plaît. Wow, merci, vous êtes trop gentils. Bien sûr, plus on est de fous, plus là, on rit. On est de voilà. Oh. Il y en a d'autres. Et partagez. J'ai grave géré cette danse. Je ne peux pas croire qu'il m'ait fait ça.
Hé, hey, Sorette, pourquoi t'es si triste? Oh, c'est grave. Qu'est-ce qui cloche? Dis-moi ce qui s'est passé. Mais regarde, regarde mon visage. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Ma bonne vieille boîte à beauté. Elle possède tout ce dont tu as besoin. Les gadgets les plus cool de TikTok. Tu vas prendre ça et je vais m'occuper de toi. Oh, wow, wow, c'est tellement agréable. C'est dégoûtant, mais génial. Bien, n'éclate juste pas les boutons de ton visage, car j'ai une meilleure solution. J'ai l'impression que ça ne sera pas suffisant néanmoins. Voyons voir. Tu en as un ici, un autre par là. J'espère que ça va marcher. Maintenant, on attend. Bon, le temps est écoulé. Prépare-toi à voir la magie opérée. Quoi? Ça vient de mon visage? C'est énorme! Les autres ont disparu aussi? Oh. Regarde-toi. Wow, regarde ma peau! Elle est douce comme une peau de bébé. Merci beaucoup. Sorette, tu ne te brosses jamais les dents? Non, pas ça. Voilà. Ça va faire briller tes dents comme des diamants. Je pense que je dois en mettre beaucoup. Il est temps de les brosser. Chouchou. Allez, maintenant, le train arrive. Je suis prête. Ça a bon goût. À quoi ça ressemble? Wow! Bon, et maintenant? C'est excitant. Oh, dites-elle, mon amour. Lâche ça immédiatement. Mais pourquoi? C'est tellement bon, je vais terminer un autre bocal après celui-là. Juste, non, on va te nettoyer. Oh non! Tu as une moustache. Oh, oh, s'il te plaît, dis-moi que tu as des bandes de cire. Ah oui, allons-y. J'espère que ça te fait pas mal. C'est comme s'il y avait des aiguilles sur mon visage. C'était horrible. Quoi? Ça n'a même pas marché. Oups, attends un peu. Essaye ça. Crois-moi, ça va faire des merveilles. Mais ça fait tellement peur, comme un insecte alien. Et l'autre côté. Waouh! Oh, laisse-moi essayer. Oups! Qu'est-ce que tu as? On est de retour. Ensuite? Les cheveux. Débarrassons-nous de ces tresses d'abord, ok? Terminé. Attends, c'était pas censé arriver, ça. Je veux voir. J'ai l'air d'une poupée troll. J'ai besoin de lac à cheveux. Sorette, j'espère que tu as un autre flacon. Parce que ça risque de ne pas suffire. T'en fais pas, on va arranger ça. Cet aspirateur, oui. Allez, maintenant. Oh, wow. C'est comme un massage crânien. Je t'ai dit qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Mes cheveux sont tellement brillants et soyeux. Je suis si fière de mon chef-d'œuvre. Waouh, je veux ça aussi. Attends, j'ai encore quelque chose pour toi. Et si on ajoutait un peu de couleur? Oh, trop cool. Ça me rappelle la barbe à papa. Tu es magnifique. C'est quoi cet objet étrange? Un genre de machine pour faire de la gym faciale? Non. Laisse-moi te montrer. On va te retirer tes lunettes. C'est un traceur de sourcils. Je vais les colorer maintenant, ok? Alors reste tranquille. C'était rapide. Waouh. Maintenant, l'eyeliner. Je sais quoi faire. Attends maintenant, j'ai un message pour toi. Regarde. Oh, je t'aime aussi, Sorette. Et si tu essayais ça? On va choisir le bleu. Ferme les yeux pour moi. J'ai l'air comment? Oh, parfaite.
Attends, je sais de quoi j'ai besoin maintenant. Regarde, j'ai appris une chose ou deux. Oh, chérie. Non, tu as encore un long chemin à parcourir. Heureusement, je suis là pour t'aider. Je vais te montrer comment appliquer des fossiles maintenant. Tes yeux ressembleront à ceux des poupées Bratz. Maintenant, ouvre les yeux et regarde-toi. Je ne vois rien du tout. Porte ça alors. Parce que, pour être honnête, tes anciennes lunettes étaient hideuses. Oh waouh, c'est comme les lunettes de Zendaya. Et pour la touche finale, bidibi, bodibi, boum. J'ai l'impression d'être la marraine de Cendrillon avec sa baguette magique. Et je me sens aussi belle que Cendrillon. Mais attends, je ne peux plus porter ces vêtements. Je dois me changer. Ce crop top est parfait. Waouh. Waouh, t'as l'air trop cool. Prenons un selfie ensemble. Allez, Vogue, prends la pose. Sorette, c'est quand la dernière fois que tu t'es rasée? J'ai une idée. Je ne crois pas que ça va marcher. C'est mieux, ça. Ça chatouille. Allez, n'aie pas peur, je sais ce que je fais. C'est fini. Je suis toujours en vie. Oh, waouh, trop doux. Maintenant, tu as besoin de nouveaux vêtements. Laquelle? Hey, pourquoi pas les deux? Ah, super. Oh, j'ai l'air d'une princesse moderne maintenant. Génial. Allez, une dernière étape. Une reine ne sort jamais sans sa couronne. Waouh, je veux tous ces bijoux. Chérie, j'ai dit une reine, pas une rappeuse. Débarrassons-nous de ça. Maintenant, tu es prête. Vole, petit oiseau. Vole et conquiert le cœur de tout le monde.